Bonjour Internet, bonjour mes petits canards, ici Casabagnol, j'espère que vous avez la forme, la pêche, la patate. Moi je vous retrouve sur WoW les amis, suite de mon let's play, 10 ans plus tard, WoW, 10 ans plus tard. Dernier épisode, qu'est-ce qu'on a fait? Bon, on s'est fait le gouffre de Racheveux, c'était bien sympathique, ça faisait un bail que je n'avais pas fait ce donjon. En plus il a été revu, hein, comme on a pu le constater, et ça ne ressemble plus du tout au gouffre de Racheveux que j'ai connu à l'époque, lorsque j'étais jeune. Mais bon, c'était très sympa quand même. Alors pourquoi j'ai un point d'exclamation là? Oui, bah, j'ai vu que j'avais un point d'exclamation. Enlève-le moi ce truc. Oh, qu'ont-tu suggéré? Ah, c'est ça, peut-être, il faut que je regarde. Ok, voilà. Foire de Sombre Lune, c'est ce que je voulais faire. Alors, Foire de Sombre Lune, apparemment, il y a la foire en ce moment. Foire de Sombre Lune, elle est là. Trouver le portail qui mène à l'île de Sombre Lune, près du comté de l'Or, dans la forêt d'Elwynn. Ouais, ça, c'est les humains qui vont dans la forêt d'Elwynn. Moi, j'ai vu qu'il y avait ici un mage mystique de la foire de Sombre Lune. J'ai pris sa petite quête d'ailleurs. Se rendre à la foire. Et si je fais ici, emmenez-moi à la foire. Hop! Et on va se tester ça. Ça coûte 25 coppers. Alors, elle se trouve à Mulgore, au Piton. Alors, foire de Sombre Lune, comment ça marche? Ah oui, d'accord. Donc, c'est juste un TP, quoi, pour y aller. D'accord. On va quand même parler un petit peu. Hôtesse d'accueil de la foire de Sombre Lune. Bonjour et bienvenue dans la zone. Rassemblement. Ce portail, vous envoyez à la foire de Sombre Lune. Alors, on va lui demander le guide pratique. Partout, nous sommes entourés de mystères et de choses merveilleuses. Pas uniquement à la foire. Nous avons compilé une liste de certaines des merveilles que vous pouvez être amené à croiser au cours de vos aventures. Découvrir des objets. Gardez ce guide sur vous et ouvrez les yeux. Si vous venez à perdre ce livre, revenez nous voir et nous vous donnerons un exemplaire gratuit. Ouais, mais là pour l'instant, j'ai pas grand-chose. Hein. Que puis-je acheter? Alors, des boissons. Ouais, des articles exotiques, rares. Des grenouilles. D'accord. À quoi servent des bons? Vous obtenez des bons en faisant des quêtes chaque mois et en jouant aux attractions de la foire. Donc apparemment, c'est tous les mois à la foire. Ouais. Donc il y a des quêtes quotidiennes apparemment aussi. Très bien. Qu'est-ce que les cartes de Sombre Lune? Personne ne sait exactement qui a fabriqué les cartes de Sombre Lune, ni quelle est leur véritable utilité. Je peux néanmoins vous dire que l'on en trouve dans tout Azeroth, généralement entre les mains d'un être vil qui tente d'en percer le mystère. Il y a 8 séries de cartes. Bénédiction, déraison, élémentaire, faux, furie, orage, portail et seigneur de guerre. Bon, il en fait du bruit, le lanceur de feu, là, il va se taire un peu. Bande de casse-couilles. Ah, oh, mais taisez-vous! Merci. Chacune d'entre elles comporte 8 cartes de l'as au 8. Si vous réunissez toutes les 8, vous pourrez former une suite à remettre au fer Tedius Paléo en échange d'un puissant bijou. Et enfin, les attractions. Ouais, bon, il y a plein de trucs à faire, plein d'attractions. On va aller sur place, ça sera plus simple. Allez, je pense que là, portail vers la fin de son lune. En plus, ça m'a débloqué un succès qui s'appelle Ouvert à tous. Ok, alors où je suis? Je suis sur l'île de la foire de Sombre Lune, d'accord. Ok, donc c'est une île. Hop, portail de retour. Trotteur. Ils sont beaux, majestueux, mais trotteur de forêt vous emmène gratuitement à la foire. Besoin d'aide? Bon, d'accord. Eh bah écoutez, on va le prendre le trotteur, hein, qui m'emmène directement à la foire de Sombre Lune. Ah, faut que je le dirige. Ah d'accord, je croyais qu'il me dirigeait tout seul. J'ai pas compris. Oups là! Ah, ça fait du bien d'avoir une monture. C'est bien fait. Voilà, regardez. On voit la foire de Sombre Lune de haut. Ça a l'air fat. Oula, 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 le feu d'artifice là. Il m'a stressé un peu. Ah, l'œil il bouge sur la porte. C'est ignoble. Salut. Bienvenue à la foire de Sombre Lune. Comment je descends de ce truc? Comme ça. Allez hop, découverte de la foire. Information, je pense que ça veut dire les mêmes choses. D'accord. Alors j'ai un beau... On va déjà aller voir le PNJ à qui je dois remettre le coupon avant de faire quoi que ce soit. Ça me semble être un bon début. Calme. En tout cas, il y a plein de quêtes bleues journalières à faire.
y a des joueurs qui se promènent. Alors, des prix, venez chercher vos prix. Venez échanger vos bons à la foire de Sombreline comme des prix de grande valeur. Salut, mec. La foire de Sombreline, oui, messire. Bienvenue à la foire de Sombreline. Ce coupon vous donne droit à 5 bons gratuits et un exemplaire du fameux guide. Accumulez des bons gratuits. Puis revenez me voir, je les changerai contre des lots de valeur. Et le guide. Ok, merci. Donc on a des bons. Alors les bons, j'imagine qu'ils sont dans l'onglet. Dans l'onglet argent, monnaie, voilà, c'est ça. Donc bon pour prix de Sombreline. Très bien, on va regarder ce qu'il vend lui. Alors, tape Q. C'est un jouet. D'accord. En haute forme de Sombreline, unique. Ah, ça, c'est juste pour le skin, du coup, c'est ça. Comment. Y'a pas moyen de faire un. Une preview? Normalement, ça marche, les previews. Que la journée soit bonne. J'ai ce qu'il vous faut. Pourquoi ça marche pas? Donc. Ça marche pas, j'arrive pas à voir. Bon, tant pis. Un jouet. Une mascotte. Une épée en mousse. Ah oui, d'accord, là ça marche. Ah oui, c'est ridicule. Une cape. De sombre lune. Une fleur, une boîte de. Un sac. Ouais. La fleur, ça ne sert absolument à rien. D'accord, on est d'accord. Un marteau. Une mascotte. Un griffon, c'est quoi? C'est une mascotte aussi. Mascotte, mascotte, mascotte. 10, pourquoi 10? Ah oui, d'accord, ça a des charges. Invoque un griffon de manège stationnaire. Ah oui, d'accord, non, c'est juste des trucs qui ont des charges. D'accord, des stations de manège. Ok, ça ne sont pas des mascottes. Donc, ouais, bon, il n'y a pas vraiment truc utile pour moi. C'est vraiment plus pour le fun. Ah. Alors, guide pratique. Il permet de découvrir des artefacts de Sombreline dans les donjons, les raids et les champs de bataille de difficultés adaptées. Et bon, on va le garder dans le sac, ça peut toujours servir. Voilà. La femme la plus forte du monde. Kerry X, et bon, on va aller voir. Kerry X veut que vous récupérez 250 trophées macabres. Les trophées sont obtenus lorsque vous tuez des créatures qui vous rapportent de l'expérience ou de l'honneur et que vous transportez votre guide pratique. Bah oui, hein, écoute. Hein. De toute façon, à force de pex, on va y arriver. Allez, on va voir d'autres. Les autres choses. Alors. Ziggy Escarbille. Défi de l'oiseau de feu. Bienvenue, nous avons reçu un lot de feux d'artifice de type oiseau de feu qui n'attendent que d'être fixés dans votre dos pour vous propulser vers les cieux, les anneaux qui s'y trouvent et la gloire. D'accord? Quelles sont les règles? Donnez-moi un jeton et je vous fixerai un harnais équipé de nouveaux feux d'artifice. C'est là que ça se corse, vous aurez une autonomie de vol de 10 secondes et vous remarquerez la présence d'anneaux de feu dans le périmètre de la foire. Chaque anneau traversé s'ajoutera au total d'anneaux récupérés et vous conférera 10 secondes de vol supplémentaires. Récupérez 15 anneaux et la récompense est à vous. Oh putain, ça a l'air chiant. Oh, récupérer 15 anneaux en cours de vol. Ok, bah par contre faut payer, d'accord. Ok. Et bah je suis prêt. Pour jouer, il vous faut des jetons. Ah merde, faut les acheter les jetons. Je croyais que c'était les bons. Ah, c'est pas pareil. Bon, on va y arriver, les amis. Mais c'est la foire, hein. C'est des forains, c'est un peu des voleurs, quoi. Mais bon. Alors, acheter des jetons, ça a l'air d'être ici, voilà. Salut, Saz, attrape-pièce. Contient 5 jetons, contient 20 jetons. Oh bon, on va en prendre plein. Hop, on va en prendre 40 d'un coup. Allez, on va mettre ça là. Encore des saloperies qui prennent de la place dans mon inventaire. Parfait, excellent. Alors, le but du défi de l'oiseau de feu, c'est de passer à travers les anneaux en volant. Il y a 15 anneaux. Bon, on va tester, hein. Je pense qu'on va pas y arriver du premier coup. Aile de feu. Oh putain. Ok. 1. Et dès qu'on passe dans un anneau, on récupère du temps de vol. Donc bon, on va essayer de se faire ça. Ouais, ça devrait le faire finalement. Je suis trop un beau gosse. Enfin, on récupère du temps de vol. On repart à 10 secondes de temps de vol, quoi, pas plus. Ah ouais, donc faut pas non plus faire trop de zigzags. C'est ça l'idée. C'est ça l'idée. Mais là, ça a l'air pas mal quand même.
Moi, je le sens bien. 7 sur 15. Je le sens même très bien. 8. 9. 10. Haute voltige. Au fait accompli. 11. 12. Ouais, ça va le faire. Finalement, c'est très facile, cette chose. Voilà. Je peux en faire plus ou ça sert à rien? Non, ça sert à rien d'en faire trop. Et ben, on va redescendre. Hop là, hop là. Salut. Comment va? Et je gagne un lot de jeux de Sombre Lune. Alors, qu'est-ce que c'est que le lot de jeux de Sombre Lune? Il y a quoi là-dedans? J'ai eu un bon. Ok, bon, on va continuer, hein. Goûter, hein. Ça fait... J'ai pas vu si ça faisait de l'XP. Non, mais ça fait de la répute. Ça fait de la répute. On va continuer comme ça. Oh, c'est sympa, ça change. Alors, combien de temps ça dure? Là, je suis en train de tourner, nous sommes le 3 mai. Ça a commencé le 1er mai. Et ça finit... Finit quand? J'arrive pas à voir où ça finit. Ça ne finit jamais. Bah non, c'est tout le temps. T'as pas de date de fin ou... Ah si, ça dure une semaine, d'accord. Ok. Allez, lancer d'anneau. Je vous souhaite une bonne journée. Réussissez 3 lancers d'anneau sur la tortue. On se voit plus tard. Comment bah allons-y. On se voit plus tard. Ah merde, j'ai pas appris comment jouer. Ah oui d'accord, c'est tout simple. Oups. Lancer l'anneau au prégo. Ok, faut que je sois à côté. Ah oui, il y a un temps de... Il y a un temps de réflexion. Donc il faut anticiper... Putain, il a accéléré le con. Les déplacements de la tortue. Là, ça sent bon. Là. Oh, bon gosse. Elle accélère. Elle va où maintenant? Elle va où? Allez, moi je le sens bien. Regardez, regardez. Putain, bon gosse. Là, elle accélère. Elle va partir. Comme ça. Ah, c'est peut-être un peu loin là. Quoique, quoique. Oh merde. Il m'en reste encore 6. C'est ça, 6. Pas mal. Ouais, bah voilà. Bah, très facile. Easy. Easy peasy busy. Et je gagne des bons. Et bah, ouais, j'aime bien. Ça change. Ça, le délire de changer un petit peu. J'imagine que je peux refaire d'autres attractions quand même. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Alors, il y a beaucoup de vendeurs en tout genre. Hein. Breuvage et teinture. Oh oui, ils ont des trucs qui font des bœufs. Des boissons en tout genre. Qu'est-ce qu'il vend lui? La nourriture, ça doit être avec des buffs aussi, j'imagine. Alors, qu'est-ce qu'on a de beau ici? Ça a l'air cool. Combat de robots. Jeu de chariot. Combat de tank. Utilisez votre chariot de sombre lune pour détruire 30 cibles dans le temps imparti. Et on va tester ça. Je suis prêt. Alors, 1 pour tirer un obus de canon sur la chariot la plus proche en face de vous. Augmente votre vitesse de déplacement. Ok. Ah ouais d'accord. Ah, faut vraiment aller vite. Ah. Un problème c'est qu'il y a d'autres petits robots là qui nous tirent sur la gueule quoi. Gros. Il y a quand même une minute, c'est ça? Une minute? Ah ouais, il faut que je me réveille un peu quand même parce que. En fait j'ai perdu du temps au début de partie en lisant les. Les skills, chose que j'aurais pas dû faire. J'ai une barre de vie. J'ai une barre de vie, mais là pour l'instant je suis pas mal. Ah, au secours. J'ai pris l'aggro. Allez, petite dernière. Ouh, voilà, c'était à la seconde près. Mais j'y suis arrivé. Cool. Recevez un bon. Yeah. Et ça n'aime pas des. Ça ne fait pas des hauts faits, ça. De faire les attractions. Sûrement quand même. Allez, qu'est-ce qu'on a d'autre de beau?
Maître des dompteurs de mascottes. Salut. Gagner un combat de mascotte contre Jeremy Fuzzle. Bah écoute, on peut essayer. Allons-y. Je sais même pas ce que j'ai comme mascotte, mais allons-y. Chaudy Magma contre... Ouh, ouais, mais il a une mascotte de niveau 25. Ah oui, d'accord. Donc lui, c'est vraiment le mascotteur de la mort. Ah oui, d'accord. Bon, je vais mourir comme une merde, quoi. Ok. Bon, ça m'apprendra. Ah oui, ok. Moi, j'ai des mascottes niveau 6-2-2. Bon, là, je vais me faire one shot. Voilà. Bon, on va tous mourir, hein, ça sera fait. Hein. Ça, on n'en parle plus. Allez, sépulcre. Fais-toi tuer. Merci d'être passé. Allez, on range tout. Ah, c'est vrai que sépulcre, il peut raise. Ouais, on l'a mis à 92%. Trop badass. Bon. Bon, bah, j'ai quand même raise mes mascottes pas. Par respect pour elle. Ok, donc ça, 9. On va même pouvoir abandonner la quête parce que je suis pas prêt de le vaincre. Hop. On aura vu. Alors, grand maître des dompteurs. Ah, lui c'est pareil, sauf qu'il est en... Si c'est un grand maître. Ok, donc bon, on va éviter cela. Hein. C'est pas pour moi, ça. Faut avoir vraiment des mascottes de combat. Ce qui n'est absolument pas mon cas pour le moment. Alors... Ringling, qu'est-ce qu'il faut faire ici? Comment ça va? Marquer 25 points en 60 secondes. C'est l'air d'être un... Et les esprits vous accompagnent. Ah d'accord, comment je vise? Ok d'accord, j'ai compris. Donc c'est du tir à la carabine. Je peux le faire deux fois ou... Ça passe, même trois fois non? Alors quand il loue le timer a 37 secondes. C'est bon. Bon, c'est facile ça. Ah, moi je joue à Counter-Strike, moi, T-Reflex. T-Reflex. On va sortir la WP. Allez, plus que 4. Ah, le timer est en train de courir là. C'est bon, ça le fait. Yeah. Ok, bon c'est plutôt facile tout ça. Elle tire une marque. Salut bonhomme, à la prochaine. Hop, encore des bons. Oh, j'ai eu sabre de nuit, clic droit pour l'installer, inutilisable ici. Bon, je vais le sortir en ville pour frimer. Pour sortir un tigre de bac à sable stationnaire. Approchez-vous et laissez-vous projeter dans l'air. Alors, accumulez 5 points de cible du canon en atterrissant près de la cible. Oh, on va tester ça, ça a l'air sympa. Donc on se met dans le canon, je pense, et... C'est quoi ça? Redescendre. Ok. Oula, oula. Allez où la cible? Allez où la cible? Allez là. Ah! J'ai fait vraiment trop tôt. Nul. Comment t'allumer? Y'a pas moyen de re-TP. Bon. J'étais mauvais. Putain, y'a plein de trucs ici. Le maître des pêcheurs, on ira jeter un oeil après, mais. Y'a de la musique, y'a un concert. Ah! Regardez. Je pense que vous connaissez tous, hein. Les Torrent Chieftains. Yeah. Lol, ça claque. Ça claque. C'est trop cool. Samuro, Berglist, Signicius, Mekil, Chef Potoren. Ah, ça tripe. Ah, c'est bien fait, j'adore. Ah, ils sont forts chez vous. Du bon, du moins un rock à l'ancienne.
Allez, on va recommencer un petit coup sur le canon là. Ça n'a pas été bon ce coup-ci. Mais on. Bon, faut faire au moins 5 points. T'as pas tout prêt. Quand on se rate. Pom 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 pom. Alors, maître des canons, s'il te puis-je, renvoie-moi dans les airs. Donc je pense que ça sert à rien de tourner à gauche ou à droite. Faut surtout lâcher les ailes au bon moment. Vous êtes d'une belle taille. Ah, il y a quelqu'un qui vient juste de partir avant moi, regardez, il est devant moi. On va voir comment il gère le truc. Allez, mon petit case, j'avais lâché beaucoup trop tôt. Faut lâcher... maintenant. Oh, j'ai fait combien? 3 points. Merde. Presque. Bon, et ben on y retourne. Téléportologue. Ah, c'est cool ça. Téléportez-moi au canon. Ah, super. Putain, bon, ça y est, ça. J'ai encore lâché un peu trop tôt. Alors, on va essayer de se reprendre. Allez, mon case. Allez, 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 allez. Hop. Oh, trop tôt. Encore. J'ai fait qu'un point. Bon, faut encore que j'y retourne, hein. Tout à l'heure, il a fallu déjà 3 coups de canon, 4 coups en tout. Ah, je lâche beaucoup trop tôt. C'est pas grave. Une joie de vous rencontrer. On y retourne. À une autre fois. Cette fois-ci, c'est la bonne, les amis. Je vous souhaite une bonne journée. Je suis sûr qu'en plus, qu'il y a un succès. Il doit y avoir un succès quand on arrive en plein milieu. On fait un bullseye, comme on dit. Oh merde, trop loin. Trop loin, mais moi je veux faire le bullseye. Bon, on va pouvoir rendre. Alors, foire de. Est-ce qu'il y a événements mondiaux? Foire de sombre lune, je suis sûr qu'il y a un truc. En plein dans le milieu, bah c'est ça, réussir en plein milieu de la cible. Allez, moi je veux ce succès. Je veux ce succès. Vous êtes d'une belle taille. Hop. Merci. 5-4 journaux. Alors. Une joie de vous rencontrer. Vas-y, ma poule. J'ai envie d'attirer en plein milieu du canon. Je veux le succès. Allez, on y croit. On croise les doigts. Oh putain, trop tôt. Ce qui est difficile, c'est qu'on n'a pas vraiment de repères. On n'a pas un endroit où on se dit c'est là qu'il faut que je lâche. Mais ce que je veux dire. Pas de repères vu que c'est que de l'eau. Salut. À une autre fois. Mais avec de la persévérance, les copains, on va pouvoir y arriver. On passe à côté du concert. Allez, 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 allez. Oh merde! Trop loin! Ah, je sais pas, j'arrive pas. Ah, il y a bien une astuce. Allez, on va essayer quand même encore une dernière fois. Hein. Tant pis, sinon, on fera ça une prochaine fois. Vu que c'est des journalières. Allez, on va essayer comme une dernière fois. Ça, parce que ça me perturbe, ce truc. Je vous souhaite une bonne journée. Vas-y, lancez-moi. Mais c'est un remix de Mangez-moi, une drôle de chanson qui est sortie quand j'étais jeune. Oh merde, ah j'arriverai pas. C'était pas trop mal. Ah, faut que je réessaye encore une fois. Presque dans le mine. Et là il va me TP gratos. Salut. Ou pas? Non, il me TP pas pour rien, rien à la foutre. Je suis en train de cramer tout mes jetons. Ah, j'étais presque, franchement. C'est un peu déception. Allez, mon case. Putain, oui! Oh non! Allez, sérieux, regardez! Ah, c'est presque le 1000, ça! Allez, j'y vais qu'en m'améliorant, là. C'est la bonne. Bon, la vraie dernière. Promis juré. Craché. Sinon, j'allais jamais m'arrêter. Allez, la vraie dernière. Une joie de vous rencontrer. Adieu. Allez, 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 allez! 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 Oui! Je suis plein dedans là!
Oui. Oui. Voyez les amis, la persévérance, ça sera la leçon de cette vidéo. Écoutez Papa Caz, la persévérance, ça paye. Allez mes petits bouchons. Après toutes ces émotions, moi je vous souhaite tous de bons jeux. Je vous trouve très bientôt pour la suite des vidéos. En attendant, prenez soin de vous. Soyez gentils avec vos parents, tout ça, avec vos enfants, n'importe quel que soit votre âge. Et puis je vous dis à très bientôt. C'était Gaz, je vous embrasse. Tchou les amis.